Ayant vécu durant de nombreuses années en Angleterre, David Ginola s'est installé dans le sud de la France il y a quelques années. Le consultant sportif de Canal+ a choisi de poser ses valises à Aix-en-Provence pour faciliter la scolarité de sa plus jeune fille. Né le 25 janvier 1967 à Gassin dans le Var, David Ginola a grandi du côté de Sainte-Maxime, situé au sein de ce même département du sud de la France. Interrogé par le magazine Nouvelle Ère sur cette période de sa vie le 28 juin 2024, l'ancien joueur de football professionnel s'est remémoré son enfance avec tendresse dans cette commune. Si est-il la ville où j'ai appris à nager, à faire du vélo, où j'ai fait mes armes au football. J'y suis retourné 5 ans de 2002 à 2007. Mais après le divorce avec mon ex-femme, en 2016, note de la rédaction, j'avais envie de changer d'horizon. De passer à autre chose, a indiqué David Ginola, qui réside désormais principalement du côté d'Aix-en-Provence. Des Bouches-du-Rhône, je ne connaissais que le stade Vélodrome et l'aéroport de Marignane. Pourtant, j'y ai mes racines en quelque sorte. Jusqu'à mon grand-père parti à Saint-Tropez pour prendre une licence de taxi, la famille italienne de mon père a longtemps vécu à Marseille. Ma nouvelle vie est ici, a affirmé celui qui officie désormais comme consultant sportif pour Canal+. Si David Ginola a pris la décision de poser durablement ses valises au sein d'Aix-en-Provence, si est-ce avant tout pour la scolarité de sa dernière fille, baptisée Ever, qui est aujourd'hui âgée de 6 ans. On cherchait une école bilingue. On en a trouvé une ici. Qui aurait pu être celle des Clounets si elle avait été plus sécurisée et plus proche de chez eux, a révélé l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Au cours de ce même entretien, David Ginola a dévoilé les autres raisons qui l'ont poussé à quitter Londres pour venir s'installer dans le sud de la France. En fait, avec le Brexit et le confinement, vivre à Londres était devenu too much. Trop éloigné de la famille. Il a fallu gérer les problèmes de Covid du papa, de ma femme. On a vécu un truc de fou. Même si on vivait dans de très bonnes conditions, ça a été très difficile. Avec 14 jours stricts de quarantaine au retour. Si est-ce un signal strict pour rentrer chez nous, a expliqué l'ancien footballeur. David Ginola clame son amour pour la France, le plus beau pays du monde aujourd'hui. David Ginola ne regrette absolument pas d'avoir quitté l'Angleterre. J'y ai fait mon temps, même si ça m'arrive encore d'aller à Londres et Newcastle, les villes de mes anciens clubs. J'ai toujours revendiqué mon appartenance à la France. Je suis d'origine italienne mais français. J'adore nos traditions, notre culture, si est-ce ce que je veux inculquer à mes enfants. Si est-ce pour moi le plus beau pays du monde, a finalement conclu le père de Carla Ginola.